Salut les artistes! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser vos baskets en toile noire. Pour réaliser un pochoir, commencez par retirer la partie que vous souhaitez peindre à l'aide d'un cutter. Si votre motif est simple, vous n'avez pas besoin d'utiliser un film transfert, vous pouvez coller directement votre pochoir sur votre surface. Si la surface n'est pas lisse, chauffez bien le pochoir et si vous faites un pochoir sur du textile, nous vous conseillons d'appliquer 2 à 3 couches d'après-textile. La peinture étant plus épaisse, cela réduira le risque de bavure. Sur tissu, vous pouvez remplir votre pochoir au pinceau ou en utilisant une éponge. Assurez-vous de ne pas avoir trop de peinture sur votre pinceau ou votre éponge pour éviter les bavures. On peut maintenant passer à la partie peinture. Pour une résistance maximale, appliquez toujours notre peinture en fine couche. Pour réaliser mon dégradé sur tissu, j'utilise le pinceau et l'éponge pour fondre plus facilement les couleurs entre elles. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez retirer les scotch et pochoirs une fois que la peinture est bien sèche. Pour rattraper vos petites erreurs, utilisez les cotons de précision avec un peu de décapant. Sur le tissu ou la toile, vous pouvez appliquer une couche de vernis pour ajouter une protection supplémentaire. J'espère que ce tuto vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et partagez vos customs avec nous sur les réseaux.